Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui en fait c'est un grand jour pour moi parce que ça fait un long moment que je travaille sur un petit e-book que je voulais vous offrir dans lequel en fait j'ai mis un outil que je vous offre vraiment et c'est pas un outil anodin du tout, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et ça a été vraiment quelque chose d'énorme pour moi de réussir à le créer, de le mettre enfin en ligne. Et j'espère vraiment du fond du cœur que vous y trouverez un réconfort et que vous trouverez vraiment un outil pour vous aider à vous guérir des compulsions alimentaires. Alors pour vous expliquer un peu cet outil, donc je l'ai appelé le registre quotidien de prise de conscience et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors dans le e-book c'est déjà tout expliqué mais j'avais envie quand même de vous faire une vidéo parce que c'est très important et c'est communiqué différemment. Donc en fait c'est vraiment... Pour se guérir des compulsions alimentaires, la première étape, c'est d'abord de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que c'est vraiment de cette manière-là qu'on va pouvoir avoir du pouvoir sur nos agissements, c'est déjà de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir agir. En fait, moi je voyais les compulsions alimentaires vraiment comme un tsunami. Donc c'est vraiment, je disais, c'est comme le tsunami, il commence à monter, sauf que si j'arrive à le voir avant qu'il me submerge, je peux faire quelque chose. Dès le moment où je suis submergée par mon tsunami, eh ben c'est déjà trop tard. Et là, je vais manger parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas pu en fait réagir avant. Donc vraiment la toute première étape, et c'est pour ça que je vous offre cet e-book aujourd'hui et puis que je mets en fait dedans cet outil que vous trouverez tout à la fin du e-book. En fait, c'est vraiment un registre que vous pourrez tenir quotidiennement pour vous aider en fait à prendre conscience de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous avant que vous mangiez ou pendant que vous mangiez, après avoir mangé, en fait juste vous rendre compte qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps, à quel endroit, à quoi vous pensiez, qu'est-ce qui se passait en vous en fait. Et ça c'est une clé mais tellement énorme, vous n'avez même pas idée. Mais non seulement pour se guérir des compulsions alimentaires mais pour tout dans votre vie après, vous verrez que ça vous sera utile et c'est juste un outil magique. Je dirais même que l'observation de soi, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est vraiment la clé en fait pour se développer personnellement, pour changer sa vie, pour changer absolument tout ce qu'on veut et avoir du pouvoir sur nous-mêmes en fait. Pour vous donner un petit exemple, quand une compulsion arrive, ou par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, je vais vous donner un exemple dans mon histoire, en fait, dans ce qui me concerne. Par exemple, je suis sur mon scooter et là tout d'un coup, j'ai une envie de manger qui vient, ça y est, une idée, c'est un bout de chocolat ou un truc, ou parce que je vais rentrer à la maison, alors ça y est, il y a tout mon système qui se réveille, en fait c'est toute ma chimie, toutes mes habitudes, mes mauvaises habitudes qui se mettent en route, et qui commencent à me dire, oh, je vais manger ci, j'aimerais manger ça, j'aimerais truc, et là en fait tout d'un coup je me rends compte, je me dis, oh attention, attention, regarde ce qui est en train de se passer, et le problème c'est que si je laisse faire et que je prête pas attention à ce qui est en train de se passer, et que je n'arrête pas tout de suite ce qui est en train de se passer, et ben en fait, ça va prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur. Et en fait, je remarque que mes émotions, elles se lient de plus en plus à ce qui est en train de se passer dans ma tête. Et en fait, ça va finir par me faire manger. En fait, ça veut dire que je vais de plus en plus pas me rendre compte de ce qui se passe et du coup, pas avoir le choix. En rentrant chez moi, le premier truc que je vais faire, c'est manger. Alors que si, en fait, sur mon scooter, par exemple, où j'avais toutes ces pensées qui commençaient à venir et que j'arrête ça tout de suite, je vais pas me mêler émotionnellement à tout ça et je vais pouvoir arrêter tout ce cirque, en fait, ce qui fait que je vais pas manger en arrivant chez moi. Après, ce qui est très difficile, et c'est pour ça que c'est important de pratiquer vraiment ce registre quotidien, c'est comme tout, ça prend un peu de temps, ça demande de la pratique pour vraiment savoir bien l'utiliser et que ça commence à fonctionner vraiment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos circuits, nos pensées et toutes ces choses-là, en fait, 95% de nos pensées sont les mêmes chaque jour. Donc imaginez, ça fait des années que vous pratiquez tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Donc, même si, imaginons, vous prenez conscience tout d'un coup, en fait, c'est ce que je me suis aperçue, c'est que tout d'un coup, ok, je réalise que mes pensées commencent à vouloir me faire manger, je sens mon émotionnel qui commence à s'y mêler, je commence à avoir un peu cette angoisse, ce truc de « oh non, j'ai pas envie de manger », mais en même temps, bah, je sens que bah, si, je vais quand même finir par manger, parce que c'est comme si bah, cette compulsion qui fait que j'ai pas le choix. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que même si j'arrive à court-circuiter ma pensée, dès le moment où je lâche, où je laisse aller ma tête sans faire attention à ce qui se passe, et bien 5 minutes après, je me reprends de nouveau à penser à la nourriture. Et en fait, c'est là que c'est très important de pratiquer vraiment le plus possible ce registre pour vous rendre compte de ce qui se passe en vous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Parce que imaginons, comme je vous disais, cette pensée, elle arrive. Ok, vous arrivez à la gérer, vous arrivez à faire en sorte qu'elle s'arrête. Vous arrêtez ce cirque, vous vous mêlez pas émotionnellement à ça, vous vous coupez. Ok, ça se calme. 5 minutes après, tout d'un coup, oh, je sais pas, vous êtes sur la route, donc vous êtes concentré en train de regarder à ce que vous êtes en train de faire, enfin bref. Donc votre tête, vous la laissez tranquille. Et tout d'un coup, si vous faites de nouveau attention à ce qui se passe en vous, ah,
Ça y est, je suis nouveau en train de penser à la bouffe et à ce que je vais manger. Et en fait, ce qui est important, c'est que plus vous allez prendre conscience aussi de ce qui se passe dans votre corps. Pour ma part, j'utilise beaucoup ça maintenant. Tout d'un coup, je vais être en train de rêvasser ou de faire je sais pas quoi. Et d'un coup, je sens une tension dans mon corps. Je me dis, ouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est très difficile d'être conscient à 100% de toutes nos pensées. On en a entre 60 et 70 000 par jour, donc imaginez, c'est monstrueux. Donc on peut pas tout voir ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Par contre, on peut utiliser les sensations de notre corps qui vient nous faire dire qu'il y a une tension, qui vient nous dire, ouh, il y a un truc qui va pas là. Donc du coup, si vous ressentez votre corps, bah, vous voyez à quoi vous êtes en train de penser. Enfin bref, tout le cirque en fait qui s'est remis en route, tout le schéma qui s'est remis en route, vous pouvez le stopper. Mais pour ça, ça demande beaucoup de pratique et ça demande beaucoup de conscience de soi. Et c'est pour ça vraiment que ça me tenait à cœur vraiment de vous offrir cet e-book. Donc vous le trouverez dans le lien de la vidéo, je vous le mets en dessous dans la barre d'infos. J'espère vraiment qu'il va vous aider. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à le télécharger, il est gratuit, hein. Vraiment je vous l'offre, c'est pour vous. Essayez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que ça vous apporte, mais surtout, rendez-vous compte d'une chose, c'est que ça prend du temps. Donc ne le fais pas une fois et puis après vous dites « Oh, ça sert à rien, de toute façon, je n'y arrive pas ». C'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Allez-y, je ne sais pas moi, sur 2-3 mois avant de vous dire « Ok, ça ne marche pas ou ça marche ». Et ça, pour moi, c'est vraiment une première clé que je vous donne. Prenez conscience de vous-même et ensuite, on va pouvoir aller plus loin dans les outils pour régler le problème. Mais déjà, pour régler le problème, prenez conscience de ce qui se passe en vous. C'est la première chose et certainement la chose la plus importante. Voilà, donc j'espère vraiment que cet e-book vous plaira. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai bossé vraiment beaucoup dessus, donc j'espère vraiment qu'il sera bien. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos retours, c'est avec grand plaisir. En plus, ça m'aide à évoluer, à avancer, à faire encore mieux, à vous transmettre encore mieux et à vous donner encore plus d'outils qui puissent vous servir au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas encore, je répète, hein, à me dire ce que vous en pensez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, partagez cet e-book à vos amis qui peut-être vous pensez pourront les aider. Voilà, donc je vous remercie en tout cas du fond du cœur de regarder mes vidéos et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis pour toute une suite, j'espère, de travailler ensemble pour pouvoir vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao !